Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'année 4 de Harry Potter Lego pour essayer de décrypter l'énigme de notre... comment dire? Ah oui, Mijeniard, de notre œuf qui est censé nous donner des indices pour la deuxième épreuve du tournoi des sorciers. Alors du coup... on a tout pris ici. Ah non, attendez, faut que je détruise ça aussi. Ça ne va pas sinon. Tout ce que ça m'a fait tomber du ciel. Impressionnant. Oh là, on a tout par contre. Il y a quelqu'un qui est coincé. Bon, bref, alors du coup, suivons Mimi Géniard. Il fait toujours énormément de bruit, donc là on est dans les douches des serres d'aigle. Donc Mimi Géniard se moque de Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Mon dieu! Oh, des canards! Et elle lui explique donc que quelqu'un est venu ici avant lui et qu'il est rentré dans l'eau avec l'œuf. Et ce quelqu'un n'est autre que Cédric Diggory qui lui a soufflé l'idée de peut-être aller jeter un œil dans les douches des préfets. Particulier pour une raison très spéciale que vous n'allez pas tarder à découvrir. Non mais Harry, je sais qu'elle te fait peur, Mimi Géniard, mais c'est pas une raison. Alors du coup on va pouvoir ouvrir ceci. Ok, on va pouvoir changer de sortilège pour monsieur. Voilà. Ah, nous avons débloqué Cédric Diggory, c'est cool. Donc Mimi, arrête s'il te plaît. Ok. Arrête de m'espionner. En même temps, elle est stressante, elle. Elle a encore inondé les toilettes. Alors, on n'a pas ras-le-bol d'inonder les toilettes. Ah. D'accord. Ok, j'ai réussi à faire tomber les trucs et à récupérer un fragment. D'accord, donc là il va nous falloir une potion de puissance. 3 sur 3, on a débloqué un deuxième fragment en l'espace de 3 secondes. Ah oui, mais enfin les dés, je sais pas comment on va faire. Ok, mais à quoi ça nous avance d'ouvrir tout ça? On peut pas récupérer des sous. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux m'en servir de ça, non? Tiens, protège-t'en. Ah, c'est cool. On a réussi à le sauver. Et du coup, il me donne ça aussi. D'accord. Ok. Ok, non, quand... ok, donc j'ai fait jaillir ça également. Donc ça c'est pour les méchants aussi. Attendez, je peux contrôler Mimi Géniard de quoi? Oh mon dieu! Je contrôle Mimi Géniard. Très bien, alors. Et d'un ici. Et de deux. Et de 3. Comment je deviens forte? Est-ce que Mimi Géniard est assez forte pour ouvrir On va essayer. Mais elle a aucune consistance matérielle, comment elle pourrait? Non, non, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein.
Ok, alors il faudrait une potion de puissance pour pouvoir ouvrir ce truc. Alors je sais pas comment on peut avoir une potion de puissance. Hein. Alors déjà on a fait ça. Ok, donc ça a ouvert là. Le chemin vers la douche. Ok, donc on est parti. Ouais, avec un canard, ça passera beaucoup plus facilement. Sirène. C'est mignon. Alors, on va prendre le machin qui fait exploser les trucs. Voilà, voilà. Et du coup, on va ouvrir ce machin. Voilà. Fleur tache du lac. Oh, attendez, est-ce que... Bon, là, il me faudrait Hermione, mais est-ce que Mimi... Elle est comme Hermione? Non, absolument pas. C'est la spécificité d'Hermione, ça. Ah, attendez, on va récupérer tous les sous autour. Avant de faire ce qu'on nous demande, parce qu'après, j'ai peur que... ça déclenche quelque chose. Et ça, là, ça fait quoi? Ça fait rien. Ok, on va nettoyer la jolie sirène. Voilà. C'est encore plus joli. Ah, du coup, on lui a fait peur, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle nous a balancé, là? Ah, des trucs méchants. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit train? Pourquoi un petit train? Véritable sorcier. Ah, du coup, on lui... Ah, elle était en train de mourir, donc on lui a remis de l'eau. Là, ça va mieux, alors. Voilà, elle nous a jeté un truc gentil. Arrête! Meurs! Bon, attendez, on va reprendre un point de vue. On y voit quelque chose. Pourquoi un petit train? Pour les tuer, ce sera plus simple. Voilà. Donc ça, j'en ai besoin, oui, parfaitement. Et ça, ça doit aller là. Donc, allez, allez, allez. Alors, on refait couler plein d'eau. Différentes, voilà, comme ça on peut aller sous l'eau. Nickel. Donc Harry se déshabille. Oh mon dieu! Il va sous l'eau avec son œuf. Et là, bizarrement, ça ne hurle pas. Et on les entend parler. On les entend chanter. Voilà. Donc là, il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre comme indice pour la prochaine épreuve. Donc Mimi génère de... Voilà. Toujours aussi chiante, n'est-ce pas? Avec Harry, donc voilà. Donc on a débloqué Cédric des Gorilles, on a débloqué Fleur aussi, je crois, Fleur Tache du Lac. Et on a débloqué deux emblèmes aussi, deux emblèmes. C'est pas mal, l'autre on n'avait pas de potion de puissance, je sais pas comment on fait, si c'est plus tard ou autre. Je ne sais pas. 100%! Oh mon dieu! Waouh! C'est énorme! 100%! Vous vous rendez compte? 100%! C'est trop bien! Bon, alors des briques, on a eu pas mal. Des trucs rouges aussi, on en a eu. Bon, je suis pas sûre que ça compte. Hein. Les trucs rouges. Alors, donc on est parti. On va reprendre ça. Donc je suppose qu'on va se diriger vers notre prochaine épreuve, non? Très certainement, très certainement. Ou du moins, on va chercher une solution pour l'épreuve. Ouais, on va plutôt d'abord chercher une solution, je pense. Bon, un jour je l'ai tué. Alors, ou pas, mais bon.
Ce serait sympa qu'on puisse. Alors, on est parti. Ah, mais je sais pourquoi Harry, il n'y a pas sort, d'accord. Ok, je sais. Je sais, je sais. Ah, bah non. Non, je sais pas. Non, j'ai rien dit. J'en ai aucune idée en fait. Ah, bah si, si, on va se diriger vers notre épreuve. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on se dirige vers notre épreuve. Ah, quoique, peut-être. Il peut y avoir une explication. Non, toi. Tu veux que je te fasse exploser, toi? Oui, c'est ce que tu voulais. Très bien. Fallait le dire plus tôt. Ok. Alors, on continue. Bon, ça, on va le faire exploser aussi. Et on va le faire tourner. Voilà, nickel. Allez, allez, on est parti. Donc là, il faut qu'on attaque ça. Toi, je suppose que tu veux tomber. Non, voilà, ça allait mieux, ça t'a calmé. C'est très bien. Alors. Là, pareil. Bloom. Et Bloom. Ok, donc on descend. De chaque côté, on va pas s'amuser à faire chaque côté. Alors, tac, non, là, et tac, tac, oh, pareil, là, il y en a plein, oh là là, boum, boum, hop, et hop, 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 hop. Allez! Bon, tant pis pour ces fleurs-là. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? Oh, une grenouille! On peut la sauver, la grenouille! Oui, c'est bon, on peut! M'emmène pas avec toi! En douillette! Je vous en prie, de rien. Moi, je veux rester sur la terre ferme là, j'ai des trucs à finir ici. Ok, hop, allez, voilà. Hop. Hop. Hop là. Hop là, voilà, hop. Hop. Ok, hop. Tout ça en fait. Nickel, j'ai sauvé un étudiant en danger. Parfait. Je m'y attendais. Ah, il y a un truc au bout. On va y aller. On va aller chercher. De toute façon, ça va nous donner tous les sous. Run smoking. Ok, nickel. Alors, on est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Un chaudron qui fait quoi? Ah, il y a Maugrefolloy. Ah, il va vouloir me parler. Qu'est-ce que ça fait? Ah, je peux me transformer en ce que je veux. Je peux prendre lui. Oui. Justin, machin truc. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pris Justin. C'est à quoi ça m'avance? Ah, dans ce coin-là, doit bien y avoir un truc à faire avec Justin. Je suis pas convaincue, bizarrement. Ils ont sauté à la flotte. Je sais pas si vous avez vu. Bah, on va sauter aussi, on va récupérer les sous qu'il y a par là. Il y en a plein, alors bon. On va pas se gêner, hein. Ces plantes-là, elles y étaient pas avant. Écoute, la grenouille. Je peux monter sur toi? Ah, c'est cool! Je peux nager en grenouille. J'adore, 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 c'est trop bien. On nage plus vite hein, quand même avec les grenouilles. Hein. Allez, on va remonter. Allez, allez. On va reprendre Harry et on va aller voir Maugrefolloy. Voilà.
Ok, bon, c'est parti. On y va. On va reprendre Harry. Oui. Allez. Cette fois, on y va. Ah bah, on est déjà à la deuxième épreuve. Bon bah, on doit être prêt alors pour la deuxième épreuve. Donc ça se passe sous le lac, hein. C'est ce qu'elles nous ont dit, les sirènes dans l'œuf. Donc voilà. Harry, il a très peur, il sait pas comment faire. Donc la Neville lui donne... je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qui va lui donner des branchies pour respirer sous l'eau. Donc évidemment, il en a parlé avant. C'est pour ça que je vous disais, on va peut-être chercher une solution parce qu'il ne sait pas. Et Maugré en a parlé à Neville pour que Neville puisse en parler à Harry, en fait, tout simplement. Donc on a un temps limité normalement, mais j'ai pas l'impression qu'on... Ah bah, je suis avec Cédric Diggory. On m'a donné le personnage de Cédric pour m'accompagner. Ok. Ok, ok, donc on doit pas avoir de temps limité alors, je pense. C'est génial! Qu'est-ce qu'il nous donne? Un sou. Ok. Je sais pas ce que c'est censé nous apporter. Ok, on descend. Ah d'accord, c'est ça, ok. J'ai compris, ça nous amène ailleurs. Alors, faut pas se laisser avoir par les petits bonhommes parce que... Ils essayent de nous tuer. Hein. Ils essayent très sérieusement, voilà. Ils essayent de nous étouffer, de nous tuer. Donc il faut pas se laisser... pas se laisser avoir. Donc on va descendre dans les profondeurs, mais avant on va récupérer les sous en forme de poisson. Allez, c'est parti. Allez, allez. Faut pas qu'on se laisse avoir. Faut qu'on les tue, ces bêtes là. Ok, alors là, je pense qu'on va rentrer là-dedans. On va te relâcher ici. Alors là-haut, il y avait des sous, je crois. Je peux y retourner. Ah si, je peux, c'est bon. On va quand même récupérer tous les sous, hein. Ah, y en a beaucoup là. Voilà. C'était un gros. Alors, c'est reparti dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! Une gigantesque plante. Ok. D'accord. Bon, ça va, ça reste assez intuitif. Hein. Bon, on est reparti. Attention, la bestiole va essayer de nous faire du mal. On est dans la merde. Il se dépêche de venir. Allez, meurs! Allez, meurs! Allez, on récupère Harry. Non, parce que là, si on essaye de nous tuer, ça ne va pas du tout. On risque gros, quoi. Allez. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai fait gonfler le truc, je vous raconte pas. Qu'est-ce que c'est que ça? 1 sur 6, 2 sur 6, qu'est-ce que c'est? Ah! Cool! Faut pas que je reste en dessous, je suppose. Mauvais plan. Attendez, là, ça, on dirait un truc que je peux soulever. Hein. Ok. Ok, un petit poisson, d'accord. Blam, la suite. Ah, génial. Ah, c'est trop bien fait. Ah, j'adore. C'est trop bien. On contrôle plus rien, là. Évidemment. Je sais pas ce qu'il va faire passer au-dessus. Ok, donc on arrive... Évidemment, cette vidéo sera plus longue que d'habitude. Je voudrais finir la deuxième épreuve avec vous. Hein. Ce sera plus sympa, je pense.
faire la deuxième épreuve d'une traite. Plutôt que de laisser en avant. Bon, évidemment, il va nous falloir lui. Ah, attendez. J'espère que le petit Harry s'est passé. Ah oh bah en tous les cas ça va aller. Ah ok, alors là je suppose que le crabe il faut que je le mette là. Ok nickel. On va reprendre Harry. Ok. Ok, donc on va arriver tous les deux en même temps sur ce truc là qui attaque. Ah merde. Ah ça va, ça a été bloqué par ça. J'ai peur que ce soit bloqué longtemps, non? Oh, faut-il passer par en haut plutôt? Non, par... Oh, attendez. Ok. Ah bah cool. Ok, donc on a un fragment. Et ça, du coup, on va le poser là, d'accord. Donc ça va refermer la coquille. Ok. Qui s'en va? Donc on est reparti. Ok, nickel. Hop. Donc les élèves de Poudlard font équipe. Sympa. Alors là, c'est celui de l'école des garçons donc qui va sauver l'être qui est le plus cher qui lui a été enlevé, Hermione. Nous faisant ainsi comprendre subtilement que l'être qui compte le plus pour lui est Hermione. Très bien, donc je suppose qu'il faut... Ah, ce sont les gardiens, est-ce qu'elles nous font du mal ? Apparemment, on peut les tuer. Harry, arrête de te la prendre. Ce serait cool. Voilà, nickel. Alors. Ok. Il y a toujours ça là, on en fait quoi de ça? C'était quoi ce verre? J'ai pas compris là. Ah d'accord, c'est ça, ok. Ok, ok. Bon attendez, on va faire plus simple. Voilà. Nickel. Voilà. On a libéré les deux zigotos. Et là, je suppose qu'on va repasser à ceci. Et ça, on va devoir le mettre là-dessus, très certainement. C'est ça. Ce qui soulève une espèce de cage. Ok. Ça libère ça. Donc là, on a très certainement libéré les deux qui nous sont le plus chers. Ah non, attendez, 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 qu'est-ce que je dois faire? Remonter là-dedans? Ça va nous ramener au premier plan. Bon bah attendez, on va essayer de revenir au premier plan, on va voir ce que ça donne. On a oublié ça. Là maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Je comprends pas. Lumos.
Donc maintenant on va reprendre ça. Voilà. On a libéré une troisième personne. Quoi ça sert ce verre là? Les attirer eux? Ok, donc 4 sur 6. Donc ça va soulever. Ah, faut que je tape l'autre en même temps. Faut qu'il les soulève tous les deux. Ok. Et maintenant. On va très certainement retourner là-dedans. Attendez voir là. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, il y a Ron. Vous voyez, ça c'est le mien, Ron. Là, il y a. Le frère de Cédric Diggory, je crois. Et la sœur de Fleur de la Cour. Ok, bah moi je suis paumée là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, donc j'ai détruit ça. À quoi ça m'avance? Ok, d'accord. Ouais, je vais remonter ça. Réducto sur celui-ci aussi, attendez. Ouais, ça marche pas. Ça doit bien marcher. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Cette fois, c'est bon, donc il est remonté. Donc c'est bon. Ah non, c'est c'est Cho Chang, non, je sais plus. Bref, je ne sais plus qui est la fille que Cédric a sauvée. C'est pas grave. Qu'importe. Kervion est contente, voilà. Fleur les remercie d'avoir sauvé sa petite sœur parce qu'elle a pas réussi l'épreuve. Elle a été capturée entre-temps par les créatures qu'on a croisées. Donc voilà, nous avons réussi l'épreuve. Donc il nous reste plus que 2 épreuves. Non, il y a 3 épreuves. Ah, je vous raconte des conneries, j'ai plus de... Bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. On n'aura pas eu... énormément de trucs... Il n'y a pas beaucoup de secrets, donc du coup on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, à bientôt !